Un séminaire de 48 heures des députés de la 8e législature à Cotonou sur les enjeux et défis de la 8e législature de l'Assemblée nationale du Bénin. Une initiative conjointe du Parlement béninois et du NIMD, l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Considéré comme un espace d'échange entre parlementaires, ce séminaire passe au peigne fin les rôles et missions de la 8e législature dans un contexte de réforme et appelé donc à faire face à plusieurs défis, puis à saisir également des opportunités. Pour meubler les deux jours de travaux, trois thèmes animés par des sachants mais aussi des députés. L'actuelle législature installée sur le fond de crise politique est appelée à assurer sa mission de représentation, loin de toute considération partisane. Nous sommes bel et bien représentatifs, bien qu'élus avec 27% du taux de participation. Parce que dans la Constitution, il n'est écrit nulle part un seuil d'accréditation de la représentativité. Les mots qui sont les mots de la représentation nationale, ces mots-là ne datent pas donc de la 8e législature. Et nous voilà donc au cœur du débat de la désaffection du public vis-à-vis de son élu. Les participants au séminaire ont aussi réfléchi sur le contrôle de l'action gouvernementale et les prérogatives de la Commission des finances et des échanges. Une troisième communication relative à la législation et aux mécanismes de prise en compte des attentes, mais aussi des besoins des citoyens pour initier des propositions de loi et analyser les projets de loi à meubler les échanges. Des échanges auxquels des représentants de la société civile ont été associés. C'était à dessein que nous avons fait en sorte qu'il y ait ces représentants pour que chaque parti se rendent compte de cette situation-là et si les deux parties le désirent, qu'ils sachent comment faire pour collaborer parce que, qu'on le veuille ou non, ces deux classes-là cohabitent et ont d'impact sur les citoyens. Au-delà de ce qu'il nous a apporté en termes de connaissances et d'aptitudes pour améliorer la performance parlementaire, le présent séminaire nous a offert l'occasion d'échanger et de mener des débats de fond sur la marche démocratique de notre institution, voire de notre pays. Dans les tout prochains jours, le Parlement et le NIMD vont encore organiser un séminaire sur l'utilisation des TIC pour faciliter des relations entre les parlementaires et leurs mandants. Les deux séminaires s'organisent dans la perspective du lancement sous peu des audiences publiques au profit des députés de la 8e législature, composée à plus de 54% de députés qui font leur première expérience du Parlement en tant qu'élus du peuple.